السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها النظار الكرام، نحن الآن متواجدين بغابة جوروغو على مشارف مدينة مليليا. نحن الآن مع مجموعة من الإخوان الأفارقة من كوت ديفوار من كوت ديفوار ومالي. الآن معنا الأخ محمد، غادي يطرح بعض الأسئلة على الإخوان. Donc, je vais parler en français, donc, puisque mes frères parlent en français. Vous vous présentez d'abord, oui, bien sûr. C'est vous. Moi, c'est Abdullah. Abdullah. Oui. Abdullah. Oui, Abdullah, je viens du Mali. Ah oui. Je suis venu au Maroc pour entrer en Europe. Ah oui. Ça fait à peu près 2 ans que je suis là. 2 ans. Donc oui, 2 ans. Et je suis après l'ancien. 2 ans que vous passez à Gab de Gorogo. Oui, donc je suis rentré 4 fois à Mililia. J'ai été refoulé 4 fois de Mililia. 4 fois. La dernière fois, j'ai été blessé à la barrière par la bastonnade des forces marocaines. Ah oui? Donc j'espère que la prochaine fois, j'aurai la chance de rentrer et continuer mon chemin sur l'Europe. Donc, et monsieur, ouais, monsieur, comment vous appelez? Mon nom c'est Ibrahim. Ibrahim de la Côte d'Ivoire? Ibrahim de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Oui. Vous êtes footballeur? Non, moi je ne suis pas footballeur. Ah oui? Je suis un clandestin. Clandestin son nom? Oui, pour rentrer à Mililia. Pour rentrer à Mililia. Est-ce que vous avez essayé à rentrer à Mililia? Oui, bon, plusieurs fois. S'il y a quelqu'un de votre famille qui peut vous voir, qu'est-ce que vous dites à votre famille aujourd'hui? Bon, bien sûr, nous sommes là, mais c'est pas facile ici à Gorogo. Oui. Nous sommes venus, ça nous fait maintenant de 1 an et quelques. On est là pour essayer d'entrer en Mililia, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Donc je salue tous mes frères, bon, tels que Côte d'Ivoire ou le Maroc. Donc vous priez pour moi, que Dieu nous facilite la route. Donc, Inch'Allah, allez, vous pouvez. Si vous me posez la question des gens, vous présentez. Si vous voulez parler. Ouais, moi, c'est Big Notorious. 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 De la Côte d'Ivoire. Oui. Combien de. Bon, ici, là, bon, ça fait 9 mois. 9 mois que vous êtes là. Oui. Est-ce que vous avez essayé d'entrer à Mililia? J'ai essayé de rentrer, mais bon, ce que j'ai jamais touché la barrière d'abord. Est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi à entrer? Oui, beaucoup. Il y a d'autres mecs qui sont en Norvège aujourd'hui. Jeudi dernier. Il y a d'autres qui sont en Norvège aujourd'hui. Ah bon, en Norvège. Ils sont rentrés il y a longtemps. Donc c'est bien. Ouais. Donc quelles sont les difficultés de vie ici que vous rencontrez ici? Ce que je dis, la difficulté, bon, c'est la façon dont on vit là, bon, on ne vit pas bien. Bon, à cause de Mélélia, on est là. Bon, oui. Avec Dieu aussi nous aide. Quoi. Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que là où... Bon, on mange, on mange du riz. Souvent aussi les gens nous envoient l'argent, bon aussi. Bon, on mange. Vous descendez à la ville? Oui, souvent pas, bon, marché. C'est interdit pour nous, la ville est interdite pour nous. C'est interdit pour vous? Oui. Mais comment vous faites pour marchander, pour acheter à manger? On a des boutiques en forêt ici, il y a une boutique en forêt en ville. Ah, il y a une boutique en forêt? Souvent, ils arrivent à attraper des camarades là-bas même, les refouler. Oui. Eh, vous avez une boutique là-bas à la forêt? C'est bon? Non, c'est pas bon, c'est un peu ils sont en ville, mais ils arrivent à attraper des camarades là-bas pour ah, les oui. refouler à rabat. Ah oui, donc souvent même ils viennent en forêt chaque matin 4 à 5 heures 6 heures ici derrière nous pour nous gêner beaucoup, bon, on sait pas. Vous êtes de Côte d'Ivoire? Oui, si, nous, je suis de Côte d'Ivoire. Elle est de la famille? Hein? De la famille là-bas? Oui, elle est de la. Qu'est-ce que vous avez à dire à votre famille? Je prie Dieu, je veux qu'ils n'ont qu'à prier Dieu pour moi pour que je puisse rentrer aussi pour les... Ah oui, faire... Ça fait combien de temps que vous êtes ici à Gorogo? Environ 2 mois. 2 mois, est-ce que vous avez essayé d'entrer à Mililia? Si. Et vous n'avez pas réussi. Combien de fois vous avez réussi à essayer? Bon, 2 fois, mais j'ai échoué. Et vous avez essayé encore? Si, la première fois ils m'ont attrapé, mais la deuxième fois ils n'ont pas pu m'attraper parce que je suis vite retourné. Avec le froid, les gars nous gênent beaucoup. Il y a des froids et vous n'avez pas de vêtements? Ouais, les gars nous interdisent. Les gars essayent de nous interdire en ville pour descendre, vraiment. On prie Dieu seulement pour rentrer là-bas. Voilà. Là, souvent même il y a des Ali même qui sont là qui nous amènent de la nourriture encore, tout ça. Bon, tous et tous sont pas les mêmes. Il y a à peu près combien d'Africains ici à la forêt de Gorogo? À peu près. À peu près 180-150 environ. 180-150 à environ 200 personnes. 200 personnes. Oui. Les 200 personnes ont essayé à la fois d'entrer à Mililia et combien elle a reçu? Il a réussi à montrer? La dernière fois, il y avait 80 et quelques entrants, 100 et quelques, mais ils ont fait sortir plein. Ah oui. Il est resté 80 et quelques. Tu vas en Amérique, si tu es rentré. Avec Madrid, c'est là. Et vous, comment vous appelez?
Comment vous appelez? Moi, je t'appelle Abou. Abou de quel? De Côte d'Ivoire ou bien Sénégalais? C'est Mali. Mali. Ouais. C'est très difficile ici à la Gorgo. Ah, c'est très dur. Ouais, vous êtes un peu malade, je pense que vous êtes un peu malade. Donc, Dieu, il est de chaque fois, on ne trouve pas les socs comme les maladies. En même temps, on a voulu demander Dieu chaque jour. Dieu donne-nous, nous, avec les musulmans, tout. Vous êtes musulman? Oui, on est musulman. On a voulu rentrer les malaria, comme on a pauvreté, on n'a rien. En même temps, on a voulu demander Dieu, aide-nous, on rentre là-bas, on gagne quelque chose. Comme on a voulu faire comme les maisons, type marier les femmes, oui. Comme ça, sur l'islamique, en même temps. Alhamdulillah. Donc, vous ramassez des bois pour faire du feu la nuit? Oui, par nuit. Le nuit, on casse les bois, les secs-là. C'est là qu'on va faire les feux après. Vous faites du feu pour se chauffer. Beaucoup de fois. Oui. Et vous n'avez pas de problème avec la police marocaine ici? Bon, la police marocaine, il dérange chaque fois on court. Parce que chaque fois on court, il y a des gens qui tombent, ils baissent. Bon, en même temps, ça tout, c'est Dieu qui est fort. On a demandé Dieu, nous, on rentre seulement parce qu'on a pauvreté, on n'a rien. En même temps, on a dans les forêts, on est venu, on a voulu rentrer. Comme l'autre monde, comment ils. La dernière fois que vous avez essayé d'entrer en Mdilia, ça fait combien de jours? On a essayé beaucoup de fois, on n'a pas gagné les sens. Comment et est-ce qu'il y a des amis qui ont réussi à entrer en Mdilia? Oui, il y a des amis qui combien ont réussi à rentrer, beaucoup même. La dernière fois, combien de personnes qui sont entrées? Non, il est beaucoup, presque. Il y a première personne 80, la deuxième personne presque 100 ou presque. Je sais pas. Donc 80, 100 chaque fois là, je ne sais pas. Parce que oui. Les gens qui parlent là-bas, là, moi je ne connais pas combien ils sont rentrés. Mais actuellement, là, moi je demande comment moi, il va rentrer là-bas. C'est ça que moi je veux. C'est ça qu'on est là. Si les gens qui sont. Les gens qui circulent dans les routes là, c'est eux qu'on a fait comme ça, il a fait hier à Souroula. Alhamdoulilah. S'il lui donnait quelque chose, c'est ça qu'on va manger. On va vous. Est-ce que vous pouvez poser la question à la différence? Oui. Je vois que. Oh, dans les villes du Maroc, il y a maintenant des frères africains qui sont en train de faire le commerce. Commerce. Oui, même s'ils n'ont pas de papier. Oui, à Rabat. Donc, c'est pas à Rabat, c'est même à Oujda maintenant. À Oujda dans la ville, dans l'ancien Médina. Vous trouvez, si vous allez là-bas, vous allez trouver des femmes, des filles, qui sont des jeunes africains. Ils sont en train de vendre des bagues, des bracelets, de l'argent. Une vie normale. Les gens, ils vendent des portables. Donc, vous m'avez dit qu'en Algérie, il y a plein de chantiers de construction. Ça n'a pas marché? Ça, les gens travaillent là-bas beaucoup, les camarades travaillent dans les chantiers de construction. Oui. En Algérie, parce que la plupart des camarades passent par l'Algérie. Et beaucoup travaillent dans les chantiers de construction. Mais là-bas aussi, les chantiers de construction, c'est pas mal, c'est un peu mieux, c'est mieux payé. C'est même par rapport à un immigré, oui. Ce qu'il gagne, il peut gagner au moins plus de 50 euros à une semaine. À une semaine, en Algérie? Oui, en Algérie. Mais quelles sont les difficultés que vous avez trouvées en Algérie? Algérie, beaucoup la sécurité. La sécurité? Oui, là-bas la sécurité est très stricte. Vous m'avez parlé aussi du racisme. Oui, puisque vous savez, il y a toujours une différence entre l'étranger et celui qui est là. Celui qui est à l'étranger, on te met à l'écart. Oui. Tu ne fais que travailler et ça s'arrête là. Tu ne peux pas te mélanger la population. La population tu ne peux pas intégrer la population. Non, la population. Même si tu es musulman, Parle du papier, qu'est-ce que tu peux régler? Pour les papiers, est-ce que vous avez vu la loi marocaine, la nouvelle loi marocaine? Oui, j'ai entendu parler de ça, parce qu'au moins, on parlait de ça, moi j'étais encore en Algérie, j'étais ressorti pour aller en Algérie. Oui. Quand je suis rentré, on m'a parlé de la résidence. Oui, la résidence que le roi va donner aux Africains. Oui. Bon, je sais qu'il y a beaucoup d'Africains, on ne peut pas régulariser tout le monde sur le champ immédiat. Ça met plusieurs vagues. Plusieurs vagues, oui, oui. Le temps aura de trucs régulariser les gens. Oui. Mais moi, je ne me suis pas encore allé faire inscrire. Pour le moment, j'essaie de rentrer en Europe. Si je n'arrive pas, oui. Que je ne souhaite pas, peut-être que je vais essayer d'aller régulariser ma situation. Oui. Maintenant, essayer de travailler au Maroc. Parce que si tu travailles au Maroc, si tu peux gagner juste un peu, oui. Pourquoi pas? Abdoulaye. C'est de l'argent qu'on est venu chercher. Abdoulaye. Oui. Si on donne trois choix, oui. Soit que vous retournez en Mali, oui. Soit que vous restez au Maroc. Oui. Soit que vous allez en Algérie. Oui. Qu'est-ce que vous allez choisir? Bon, je préfère. Si je trouve mon compte au Maroc, je vais rester au Maroc.
Parce qu'au moins, je pourrais me déplacer, aller où je veux. Parce que quand je suis au Maroc, j'arrive à me déplacer. Oui. J'arrive à aller jusqu'à la frontière, je pars dans plusieurs villes. Même si je n'ai pas de papiers, j'arrive à me déplacer. Donc vous êtes libre, vous? Oui, je suis libre pour me déplacer au Maroc ici. J'arrive, moi, personnellement, j'arrive à me déplacer au Maroc ici. J'ai fait plusieurs villes au Maroc. Abdoulaye, dis-moi exactement la différence, dis-moi la différence entre la population, je ne parle pas des régimes, la population au Maroc et en Algérie. Bon, la population au Maroc et en Algérie, je vais vous dire une chose. La population entre les deux pays, si c'est au côté marocain, le Marocain donne beaucoup la nourriture aux camarades. Ici, tous les camarades sont témoins. Il ne faut pas dire des choses, ne pas faire plaisir ou bien ne pas déplacer. Non, non, nous voulons la vérité. Nous, nous sommes des journalistes, nous voulons la vérité pour tout le monde. Pour le monde entier. Le camarade arrive à intégrer un peu plus la population qu'en Algérie. En Algérie, le camarade, tu travailles, on te paye ton argent, tu es dans ton petit coin, ça y est. Ouais. Ici, au moins, tu peux, même si tu ne trouves pas du travail, au moins tu peux. Tu trouves à manger. Tu trouves à manger, tu es libre. Tu es libre. Ouais, mais s'il y a du travail au Maroc, beaucoup d'Africains resteront. Beaucoup d'Africains resteront. Les immigrés, beaucoup resteront ici. Je veux vous dire un truc. Un frère malien, je l'ai rencontré à Oujda au café. On était en train de prendre notre petit déjeuner. Je lui ai demandé la même question. Il m'a dit, en Algérie, même avec l'argent, je ne trouve pas quoi acheter. Je ne peux pas acheter de la nourriture, même avec l'argent. Oh, tu sais, moi, personnellement, quand j'étais en Algérie, je pouvais payer la nourriture. Oui. J'ai de l'argent, je descends en semaine, j'ai mon argent, je pars à la boutique, je paye ma nourriture. Oui. Il n'y a pas de problème. Mais c'est juste au niveau de l'intégration qu'il y a problème. Sinon, il y a beaucoup de camarades en Algérie qui travaillent dans les chantiers, beaucoup, qui gagnent beaucoup d'argent, qui peut-être même qui ne viendront pas pour l'histoire de l'Europe. Mais nous sommes venus pour l'histoire de l'Europe. Mais si on n'arrive pas à voir l'Europe, qu'on peut trouver une situation qui passe, c'est de l'argent qu'on a mis chercher. Si on peut trouver de l'argent au Maroc, que le roi peut nous donner les conditions pour avoir de l'argent au Maroc, on restera au Maroc. Mais si on voit qu'on ne peut pas avoir ces conditions au Maroc, d'autres retourneront en Algérie pour avoir un peu d'argent pour entrer dans leur pays. D'autres continueront dans leur pays. Parce que bon, au Maghreb, ce qui est au Maghreb, ce qui est un peu difficile au Maghreb, c'est l'intégration. Moi, j'ai constaté ça dans beaucoup de pays au Maghreb, que c'est l'intégration qui est le problème. Si on intègre les Africains dans le Maghreb, beaucoup d'Africains resteront au Maghreb. Mais si on voit qu'il n'y a pas d'intégration, il n'y a pas de liberté de mouvement, parce que l'homme noir, il aime le mouvement, il aime se déplacer. Mais au Maghreb, le mouvement est un peu coincé, comme par rapport à chez nous. Chez moi, je peux me lever, je pars où je veux. Je n'ai pas rencontre à qui que ce soit. La police ne me dérange pas. Mais au Maghreb, chaque fois, les contrôles au poste de police, papier, camarade. Déjà, tu es un peu coincé. Vous vendez des cigarettes, c'est bon. Garro. Ah, vous achetez des garros, c'est bon. Vous faites de la marchandise. Les camarades ici. Non, s'il vous plaît, comment elle vit ici à la forêt? Comment elle vit? Bon, à la forêt ici, on ne vit pas normalement, comme une personne normale. Oui. On essaie de survivre. Dans le temps, le refoulement partait beaucoup à Oujda. Maintenant, le refoulement ne part plus à Oujda. Le refoulement part à Rabat beaucoup. Donc, la police comment vous vivez pas ici comme dans le temps. Comment ici, vous vivez le froid? Le froid, c'est difficile. On vit avec des branchages. On met des plastiques et on dort à l'intérieur de ces plastiques. Ah, voilà. Pour manger. Vous mangez c'est ça, vous mangez. Voilà. Vous n'avez rien. On ne vit pas comme des personnes normales. Non, c'est vrai. Le problème, c'est la faim. Oui, c'est vrai. Parce que nous, aujourd'hui, nous n'avons rien pour manger souvent. Lorsque vous va manger, vous mangez de l'air. Et ou bien vous chassez quelque chose. On part au marché. C'est quand tu arrives à aller au marché, ça, on va tout taper avec ce qu'on mange avec. Et tu viens manger. Zitoun. Ah, zitoun. C'est les zitoun là qu'on va souffler. Zitoun. Les feuilles de zitoun. Ah, les feuilles de zitoun. On fait le café avec. Ah, vous faites du café avec les feuilles de zitoun. Oui. Comment vous faites le café avec les feuilles des oliviers? Les oliviers, on met dans l'eau, on boue, on met le sucre dedans, on prend avec le pain. Ou bien on ne prend pas au marché. Si on arrive au marché, on part à la poubelle. Ah oui. À la poubelle qu'on déverse. Il y a des gens qui disent que vous il y a peut-être c'est pas. Faut regarder, juste... nous n'avons pas de chaussures à porter ici. Oui, vous n'avez pas de chaussures. Il n'y a pas de chaussures à porter. Oui. C'est difficile. Il y a des gens qui disent que vous chassez des oiseaux, des... On a quoi pour chasser les oiseaux? Il n'y a pas des singes, il y a pas des fusils. Les singes, ils sont en haut ici. On a tout jamais. Ah, vous êtes des musulmans. On n'a pas besoin de ça. Ah, vous êtes des musulmans. Les musulmans, oui, c'est très bien. Ici, il y a beaucoup de singes. Oui.
têtes de poulet. Oui. Les pattes de poulet, oui, les têtes de poulet. Avec les triconchors dans la poubelle. Vous venez ici préparer pommes de terre. Avec, on s'arrête ici demander. Donc c'est difficile de, qu'il y ait plus de 500 personnes ici qui vivent à la forêt. À qui? Il y a plus de 500 personnes africaines qui vivent à la forêt. 100. 100. Il y a combien de personnes qui. Environ 200 personnes. Hein? À Gourougou, nous, on doit à Gourougou. Environ 200 personnes. Ah oui. On n'a pas nombré actuellement parce qu'il y a beaucoup de gens. Qu'est-ce que vous dites à les associations marocaines ou bien à des gens, qu'est-ce que vous, un message que vous pouvez passer à les associations marocaines? C'est que le message qu'on peut apporter à les associations, puisque s'il peut nous aider à nous faire rentrer en Europe. Non, pour l'Europe, on ne passe pas. Parce que c'est à manger ou bien quelque chose. Pour l'Europe, c'est normal à manger. On a besoin de manger. Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades là-bas avec vous? Des gens qui sont malades? Même si on est malade, on oublie de se lever pour se battre. Parce que c'est pas comme au pays, tu es malade, tu dors, mais ici tu oublies de te battre. Parce que tu oublies, il n'y a personne ici, il n'y a pas maman, il n'y a pas papa, tu oublies de te battre. Ouais. 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 Donc, le bras. Est-ce que vous avez quelque chose, dernier mot que vous avez dire bon, à tout le monde? Pour tout le monde, je peux dire que les autorités marocains. Aux autorités marocaines, surtout au roi du Mohamed VI. S'il écoute, que je lui demande pardon de voir la situation de sa sécurité au niveau de la barrière, la force auxiliaire tabac. Très mal les camarades jusqu'à ils tuent et c'est des choses qui sont connues par les forces de sécurité mais ils cachent cela. Vous voyez la main, la force auxiliaire qui vont faire marocaine. Il a cassé, c'est un fracturé. J'ai enlevé les plaques, ça fait même pas plus de 2 jours. Vous voyez, l'Europe c'est une autre question, mais si je vois la sécurité au niveau de la barrière des forces auxiliaires, que même si on prend une personne, on le refoule. Mais le tabasser jusqu'à casser ses jambes, le fracturer, c'est pas normal. Nous sommes tous des Africains. L'Europe, c'est l'Europe. Nous sommes tous des Africains, qu'on soit, on doit s'entraider. Le Maroc a besoin de l'Afrique, l'Afrique aussi a besoin du Maroc. Dans le sud du Maroc. Quel que soit X, on ne peut pas départager du Maroc de l'Afrique. Vous voyez, donc les associations viennent nous aider avec des médicaments, avec la nourriture, avec des couvertures, parce qu'on a froid et on a faim. Là, des plastiques, broches à dents, beaucoup de choses, des chaussures, des poitres au corps. C'est ça que nous voulons ici. Je peux chercher aussi mes liens à rentrer. Ça y est. Oui. Donc, vous avez, j'ai vu que vous avez une balle, un ballon pour jouer de football. Le Marocain qui veut nous donner ce ballon-là. Pour passer le temps. Oui, pour continuer. Ah. On va voir s'il y a un technicien parmi vous. Hein? Le technicien. Oh! Attention, il y a une voiture qui passe. Si vous besoin, si une équipe, vous voulez jouer avec les Monsieur Doujda, n'est-ce pas? Oui. On va. Ah, vous êtes tous des footballeurs, hein? Qu'est-ce que vous pensez de l'équipe marocaine du Maroc? L'équipe, le football marocain? Oui. Vous êtes malien, vous, n'est-ce pas? Oui, nous sommes maliens. Ah oui. Bon, moi je vais parler une seule mot seulement. Bon sens au Maroc en 2015, la Coupe d'Afrique là. Répète. J'ai dit bonne chance au Maroc. Ah, bonne chance au Maroc. Oui, à la Coupe d'Afrique, le prochain, 2015. C'est ça que je vais dire au roi. Roi, merci beaucoup.